Et c'est vrai que Live Mentor, c'est vraiment pour moi l'organisme qui m'a permis aujourd'hui de sortir un livre. C'est quand même ouf. Je m'appelle Charlie, je suis entrepreneur et créateur de contenu et je donne des conseils tous les jours sur les réseaux sociaux. Ce qui m'a poussé à entreprendre, c'est une quête de sens, une quête d'approfondissement sur moi-même et c'est la découverte de moi-même à travers un objet qui est l'entrepreneuriat. Alors j'ai commencé dans la finance, j'étais analyste financier pendant de nombreuses années, pendant 8 ans. Je me suis reconverti dans un milieu qui n'a rien à voir, c'est-à-dire dans le coaching sportif, fitness et nutrition. Je voyais que je ne maîtrisais pas certains sujets comme le marketing, comme l'accompagnement, comme le business de manière générale. Et ce que j'ai décidé de faire, c'est de me faire accompagner par Live Mentor pour une formation marketing digital, pour avoir les clés qui me permettraient justement de mettre en lumière mon travail et puis de me professionnaliser alors que j'avais encore jamais fait ça en fait, j'avais jamais monté d'entreprise. Et j'ai vraiment utilisé la formation Live Mentor comme un outil supplémentaire pour faire effet de levier et pour me développer sur les réseaux. Moi j'étais dans un cursus très classique d'entreprise où j'avais la chance justement de pouvoir profiter aussi de CPF et forcément moins mettre de billes en s'investissant à fond dans quelque chose dans lequel on croit. On voit l'image globale, on se rend compte que ça a été hyper progressif et qu'il n'y a pas eu d'accès directement à la gloire et à la célébrité, pas du tout. Et ça, c'est rassurant quelque part parce que quand on arrive directement au sommet de quelque chose, on peut tomber très haut. Et en fait, là, l'air de rien, j'ai construit mes marches, j'ai construit mon chemin. Donc, si je les descends, je saurais les remonter, etc. Il y a eu tout un process. Et le fait de passer par Live Mentor, ça m'a aidé, ça m'a donné une direction, en fait, finalement, pour rendre les choses plus efficaces, plus sereines. Live Mentor, ça a été une super expérience pour moi à plusieurs niveaux. Déjà, la première chose pour moi et la chose qui m'a vraiment choqué, c'est la communauté. C'est-à-dire que quand on arrive sur une communauté comme celle-là, qui est vachement bienveillante, empathique, qui est là pour aider, etc., on fait moins face à la solitude de l'entrepreneur qu'on connaît tous, qui nous fait un peu peur, où on est tout seul dans notre chambre en train de travailler sur un projet où on est le seul à y croire finalement. Et ça nous permet de nous rassurer en se disant « Ok, on est tous dans la même galère, on travaille, on va y arriver, on est ensemble, on y croit. » Et c'est vrai qu'au début, c'est assez difficile. En fait, c'est là où on est le moins bon parce qu'on se lance, c'est là où on croit le moins en nous, c'est là où on a besoin qu'on croit en nous et c'est là où les gens croient pas encore en nous. Et on se rend compte qu'on est dans un écosystème justement qui nous tire vers le haut et que si on se responsabilise pour ce qu'on fait, on réussit avec plus ou moins de temps, mais on réussit. Le mentor, ça a été un vrai, vrai, vrai plus pour moi. Le fait d'avoir une personne qui était là à l'écoute, qui était là pour moi, qui s'intéressait à mes problématiques, qui faisait un peu le rôle de psy aussi au passage, mais qui était là pour écouter mes problèmes et puis m'aider à les régler sans les régler pour moi. Alors, il y a eu un projet assez énorme sur lequel j'ai travaillé toute cette année, qui a été mon livre, en fait, la sortie de mon livre, qui s'appelle Méconnaissable en 60 jours, qui est un livre pour aider les personnes à se remettre en forme étape par étape, progressivement, avec un accompagnement personnalisé. Ça, ça a été un projet qui a été complètement fou pour moi. Alors, je m'y attendais pas au début, parce que quand on se lance et qu'on crée des posts, etc., on se dit pas qu'un jour ça sera réel et dans toutes les librairies. Mais aujourd'hui, c'est devenu réel. Et en fait, c'est un projet qui me tient énormément à cœur. C'est une énorme fierté, un an de travail, et c'est le fruit de tout ce qui s'est passé avant, en fait, en formation étape par étape, en déclenchant justement progressivement comme ça des actions. Et en fait, au moment où tu le sors et où tu vois que tout est aligné, que ça marche et que tous les scénarios que tu t'es imaginé commencent à prendre forme, évidemment que c'est ma plus grande fierté jusqu'ici et j'ai jamais fait un projet comme celui-là. Aujourd'hui, je travaille quand je veux, où je veux, de la manière dont je veux. J'ai pas de patron, etc. Et c'est ce que je voulais, j'aspirais à cette liberté-là. Et c'est vrai que ça change radicalement tout.